Essaye de faire cette émission de Solidaire d'abord dans des conditions un peu particulières puisque on est toujours confiné et on va essayer de parler de plusieurs sujets. D'abord le maire et puis après on va parler de la privatisation d'EDF. On va parler aussi de Marcel Paul. Mais bon, commençons par Monsieur le maire qui a les dents qui traînent par terre. C'est voilà. Bien ça. Hein voilà, c'est affreux. Monsieur le maire, il fait peur. Hein. Donc sa déclaration qu'il a faite l'autre fois, c'est la réforme controversée des retraites. Donc nous voilà dans la réforme des retraites, hein, doit être une priorité absolue. Elle est un facteur avec le retour à la croissance et la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. Elles permettront à l'État de rembourser la dette, dette qui est due au Covid. Donc en fait, il va se servir des retraites pour arriver à financer. Voilà. Oui, oui. Pour continuer à financer les grosses entreprises comme ils font, sans leur demander des obligations d'embauche, etc. Quoi. Ben, il a été quand même Borne, la ministre Isabelle Borne a été pas dans son sens quand même, la ministre du travail, parce qu'elle se perçoit bien que la crise sanitaire est là et que les Français ont déjà beaucoup de soucis déjà pour comme ça, sans en plus mettre un truc supplémentaire sur le dos pour parler de la réforme des retraites. Alors, c'est vrai que le maire, il est quand même dans une position un peu particulière, parce qu'on sent bien qu'il n'est pas recadré par Macron, très souvent. Même des fois, il n'est pas d'accord avec Castex ou carrément avec tout le gouvernement. Hein. Mais lui, en fait, il est déjà en train de jouer le coup d'après. Il est en train de jouer 2022, de toute façon, lui. Hein. Oui, oui. Et puis là, une position, le ministère de l'économie, c'est un gros ministère. Hein. Ouais. C'est Bercy, c'est voilà, c'est la cagnotte, c'est la source de revenus de l'État. Donc il a un gros poste et ça fait longtemps qu'il y est déjà à Bercy, le maire, pas ministre, mais dans les encadres du pouvoir, ça fait longtemps qu'il y est. Alors tu parlais de Villepin tout à l'heure, où il était chef du cabinet de Villepin. En fait. Voilà, oui, il était chef du cabinet de Villepin et quand Villepin a vendu les autoroutes. Ouais, donc il était déjà là. Donc on voit l'état d'esprit déjà. Voilà, oui, il a pas beaucoup évolué, il est toujours dans la casse du social et de la vente au privé. Et là, maintenant, il vient de nous remettre la couche avec les routes nationales. Il a des tronçons de route nationale qu'il a donné de nouveau au privé pour la gestion. Voilà, on est encore là pour prolonger. Alors c'est la gestion pour prolonger les concessions des autoroutes. Ouais, tout doucement, ils essayent de voir tout ce qu'ils peuvent se vendre. Donc en nos retraites peuvent se vendre. Hein. Voilà, oui, oui. Ils sont à vendre. Voilà, BlackRock est là en embuscade, prêt à sauter dessus. Voilà. Donc là, oui. Alors pour le retour à la croissance, on peut toujours en parler, mais bon, là, ça fait. On est à moins 10% de PIB cette année. Déjà en 2019, on était déjà en dessous, on était en décroissance. Donc c'est pas que le Covid qui a fait ou la Covid qui a fait ça. On était déjà en décroissance et le PIB marche avec le pétrole. Donc moins on consomme d'énergie fossile, de pétrole pour la France surtout, et plus la croissance baisse parce que c'est lié. Donc voilà, on s'en sortira pas comme ça. Ouais, d'accord. Et vu que les gens, les bien-pensants qui disent qu'on pollue avec le pétrole, et en ce moment, là, c'est les 5 ans de Paris, là, de la Convention de Paris pour le climat. Pour le climat, donc, on est en plein dedans et on s'aperçoit que, bon, on continue à polluer, qu'on va vers la catastrophe, et il y a un tas de gens qui tirent la sonnette d'alarme, et donc, la commercialisation du pétrole et sa consommation qui fait beaucoup de gaffe. Un tout petit aparté, donc on reviendra sur le maire après, parce qu'évidemment, ce que tu dis, alors, il y a eu la Convention de Paris, donc il y a 5 ans, là, il y a eu une réunion au niveau de l'Europe, et ils nous expliquent que, oh ouais, mais ils sont toujours d'accord, mais là, cette fois-ci, c'est 2030, le moment où ils vont réduire les consommations, le CO2, etc. Ouais, mais... Peut-être que en 2040, quand on pourra plus respirer, à ce moment-là, on aura 0% d'émissions. Ah oui, là on va dans le mur complet et au lieu de trancher vraiment dans le lard, et ben on repousse de 10 ans en 10 ans. Et ouais, pourquoi pas 2030, pourquoi pas 2040, jusqu'au moment où soit il y aura plus de fossiles, de pétrole, d'énergie fossile, soit on va tous se retrouver en Scandinavie là-haut. Oui, oui. Et donc ça c'est l'état d'esprit quand même de Le Maire, il est devant là. Ah oui, il est à fond pour le PIB, consommation, consommation. C'est voilà, il y a que ça qui compte. Voilà.
Et donc, croissance, évidemment, voilà. Tout ça. Et donc, cette logique-là nous amène dans le mur, hein, on le sait. Oui. Mais lui, voilà. Il ne craignait rien, j'ai repris le flambeau, il est devant. Il n'en démord pas, il est toujours dans sa croissance, il faut consommer, c'est le mot à la bouche, c'est son mot, ouais. croissance. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire de plus sur le maire, alors? Et puis après, bon, mais la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là, la maîtrise de dépenses de fonctionnement? Alors là, c'est flou, on ne sait pas. De qu'est-ce qu'il veut parler? Est-ce qu'il veut parler de la santé? Donc, fermer des lits, encore plus de lits, ouais. Ou, je sais pas moi. L'école? L'école, oui. Pourquoi pas les écoles aussi? Fermer des classes, ou faire des classes surchargées, ou faire de plus en plus par Internet, ou donner au privé, ou. Les universités, enfin. Voilà, oui, oui, oui. Tout est. Oh oui, il est en train de tout vendre, tout brader, voilà, pour faire des économies, pour maintenir le train de vie de certains. Tout ça pour que ça nous revienne moins cher, bien sûr. Oui, 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 oui. Parce que le but ultime, il nous explique à chaque fois, c'est quand la concurrence sera partout, on paiera moins cher. Voilà, concurrence, voilà. Mais bon, c'est au détriment de la société civile et des citoyens qui vivent en France. Ouais, voilà. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le maire. Qui va tout prix nous le mettre dans cette retraite à point. Avec ses amis BlackRock, il nous dit que les retraites permettraient de rembourser la dette. Donc si ça rembourse la dette, c'est que les retraites, encore il y a des sous dans les caisses. Sinon, ça ne peut pas rembourser la dette. Mais je ne sais pas comment ils vont à la fois payer les retraites et rembourser la dette. Donc il va y avoir un problème à un moment donné. Ben oui, c'est les retraités qui vont faire les frais. Ben, voilà. Les retraités qui sont quand même une locomotive de la consommation, parce que les retraités, ils consomment. Ça fait ceux qui ont une retraite décente. Ils consomment, ils aident leurs enfants, leurs petits-enfants, ils partent en vacances, c'est eux qui font tourner l'économie, en partie de l'économie, surtout l'économie qui est hors saison, ouais. Parce que c'est eux qui partent hors saison et qui permettent à tout un tas de tourisme et de fonctionner pas que 2 mois de l'année. Ouais. Alors bon, moi je fais une petite digression sur la fête de Noël qui est préservée. Fête de Noël, alors on pourrait se dire putain, fête fraternelle, fête pour les familles, etc. Non, c'est une fête de la consommation en fait. Oui, oui. Puis alors ça va être tristouné la fête de Noël, hein, entre la Covid, entre les pressions que les gens subissent, et l'inquiétude qu'ils ont de voir baisser leurs revenus. Ça va être tristouné, c'est en plus que 6 personnes, enfin 6 adultes, ouais. Donc on coupe les familles en 2, en 3, en combien, bon, ça... Mais on ne fera pas la fête du premier de l'an, parce que ça, c'est une fête où ça sert à rien. Oui, ah bah, la fête de Noël, on contamine pas, la fête du premier de l'an, on contamine. C'est vrai qu'il y a plus de jeunes qui font la fête du premier de l'an et qui fête la nouvelle année, ils ont raison, c'est quand on est jeune, autant en profiter. Là, c'est eux qui dérouillent. Ouais. Eux, ils chargent quand même depuis 2 ans tout ce qui bon, les études, il y en a plein qui peuvent pas faire leurs études, les embauches ils les ont pas évidemment. Ouais, ouais. Et puis c'est la précarité des étudiants, voilà. Tous ceux qui travaillaient dans les McDonald's et compagnie, pour pas citer McDonald's, mais bon, tous ceux qui travaillaient ou les babysitters et compagnie, ceux-là ben se retrouvent cet apport d'argent qui est important pour eux, qui leur permet de passer. En plus des 4 aides qu'ils ont, de pouvoir boucler leur budget et de pouvoir vivre normalement, et ben tout ça, ben mais oui. Ne craignez rien, les jeunes. Vous avez le maire est là. Oui, bien sûr, oui. Bon, allez, on s'arrête pour ce sujet-là, on passe au suivant. En introduction sur le deuxième sujet, à savoir la privatisation d'EDF, Marie-Claude va nous lire une lettre de Marcel Paul. Bonjour Marie-Claude, on va parler d'un monsieur qui s'appelle Marcel Paul. Et tu vas nous lire une lettre qu'il avait été écrite aux électriciens gaziers il y a très longtemps de ça, parce que il était fier d'avoir créé EDF et GDF. Ce Marcel Paul, on le connaît bien à Aubenas, parce qu'il y a un petit square qui s'appelle Marcel Paul, qui est en face de Couleur Café à Aubenas. Je te laisse lire cette lettre de Marcel Paul. Alors, lettre de Marcel Paul aux électriciens et gaziers lors de la nationalisation d'EDF et GDF. Le 8 avril 1946. De ne jamais oublier que vous avez eu en charge un instrument fondamental de la vie du pays. Que votre dignité, comme l'intérêt national, vous font un devoir impérieux de continuer à défendre, sans jamais défaillir, le service public, propriété de la nation, contre les représentants du grand capital industriel et bancaire, dont le seul objectif est d'asservir
encore plus le pays à leur insatiable besoin de domination et de profit. De continuer, avec le même courage, à défendre votre légitime statut national. Vos retraites, vos œuvres sociales, qui font désormais corps avec les deux établissements publics issus du programme national de la résistance. Expression du combat de ceux qui ont été jusqu'au sacrifice de leur vie pour sauver le pays et avec lui ses riches traditions d'humanisme et de liberté. Anciens et nouveaux, actifs et inactifs, ces lignes s'adressent à chacune et à chacun de vous, avec une profonde conviction qu'ensemble, nous avons bien mérité et méritons toujours de cette patrie dont nous voudrions voir filles, fils et parents heureux. Voilà. Signé Marcel Paul, donc. Signé Marcel Paul. Donc c'était un grand monsieur, ce monsieur, hein, parce que tu as lu un petit peu des choses sur sa vie. Bah, mais j'ai lu ouais. Pas mal, et j'ai été étonnée, c'était vraiment un grand monsieur. Ouais. Il a fait vraiment plein de choses, et il était toujours en lutte. Et au départ, un monsieur de l'assistance, hein, un enfant de l'assistance. Oui. Hein? Oui, il a été. C'est un enfant trouvé. Il a été trouvé le 12 juillet 1900, ouais. Dans le 14e arrondissement de Paris. Il a été abandonné, place d'Enfer Rochereau, en fait. Comme quoi, l'ascenseur social à un moment donné fonctionnait, quoi. Il a eu son instituteur qui s'est occupé de lui et qui lui a fait passer le certificat d'études. Il s'est mis à militer déjà. Dès l'âge de 15 ans, il était aux Jeunes Socialistes. Il a organisé en août 41 un attentat manqué, qu'il a manqué, hein, mais contre un train officiel allemand. Ouais. Et il a été dénoncé et il a été arrêté en novembre 41. Il a fini à Auschwitz. Ouais. Et ensuite, il a été envoyé à Buchenwald. Bon, ben merci beaucoup, Marie-Claude. Merci, au revoir. Oui, alors Denis, deuxième sujet. Projet de privatisation d'EDF. Oui, oui. Ben, c'est juste après la guerre de 45. Après la guerre de 45, au lieu de la libération, c'était des privés qui géraient l'électricité et le gaz. Des compagnies privées, il n'y en avait pas qu'une. Et Marcel Paul, qui était ministre sous Charles de Gaulle, a décidé que c'était trop important, que ça ne pouvait pas laisser au privé parce que c'est quand même vital. Donc il a voulu le nationaliser, ce qu'il est arrivé à faire péniblement, parce qu'il avait une grosse opposition. C'est bon que le Parti communiste était très puissant à l'époque, donc c'est ce qui a permis de passer. Mais sinon, il a une grosse opposition, évidemment, de la classe dirigeante qui voulait à tout prix garder ce monopole. Mais bon, ils étaient un peu en porte-à-faux par rapport à leur collaboration avec les nazis. Ouais, c'est ça. Et lui, Marcel Paul, il est ministre de la production industrielle en 45-46. Et c'est en 46, donc, qu'il crée EDF-GDF. Voilà. Mais maintenant, comme le maire tout à l'heure dont on parlait, le monde libéral veut revenir là-dessus, évidemment, parce qu'il y a du pognon à faire. Voilà, oui, alors, c'est pas d'aujourd'hui qu'ils coupent l'EDF-GDF en morceaux. C'est parti, on a séparé EDF-GDF, on l'a baptisé autrement, et l'EDF, on le coupe en morceaux encore entre la partie production, la partie transport, la partie entretien, voilà, on coupe en morceaux pour essayer de les affaiblir, on va dire, parce que du moment où c'est coupé, on affaiblit les personnes sont moins nombreuses, elles sont plus dispersées, et donc aussi bien moins solidaires. Et ça permet de mieux mettre la main dessus sur l'entreprise. On pourrait faire un parallèle avec l'eau. On sait très bien qu'au niveau de l'eau, quand c'est le privé, par exemple, ils ne font pas l'entretien des canalisations, par exemple. Et voilà, oui. Ils vendent l'eau et tout. Et à un moment donné, on revient au public parce que c'est le public qui va faire les travaux. Et après, on repart au privé. Oui, bah alors l'eau, c'est encore autre chose. Parce que l'eau avec Veolia et Suez, là, on dit qu'il faut le libérer pour aller au privé, pour casser les monopoles. Et là, avec l'eau, au contraire, on en fait encore plus gros. Parce que Veolia, c'est déjà gros, gros. Et là, avec Suez, ça serait un monopole carrément. Après, il n'y aurait plus que la Sor au milieu, qui est ridicule au milieu, qui est tout petit. Donc là, au contraire, là, le capitalisme, là, il ne voit pas un monopole, là, il voit une opportunité pour être concurrentiel. Donc voilà, c'est souvent comme on regarde les choses. Tout à fait. Mais là, pour EDF, donc, ils sont en train de la couper en petits bouts. Ils en sont dans la première phase, on va dire. Hein. Enfin, dans la fin de la première phase. Oui. C'est-à-dire que ça a été... Et ils ont déjà fait des ballons d'essai pour faire des essais de vente. Ben oui, il y a eu déjà 3 présidents qui sont cassés les dents dessus, parce que c'est très, très compliqué. Il y a eu Chirac, Sarkozy et Hollande. Tous, ils ont fait... Finalement, ils ont abandonné parce que c'est très compliqué.
Parce qu'au départ, c'est Raffarin, en 2004. Oui, sous Chirac. Qui a commencé à lancer le premier ballon d'essai en disant que, puisque la Commission européenne, parce que c'est la Commission européenne qui est derrière, hein, quand même, voulait à tout prix qu'on ouvre la concurrence libre et non faussée, vous comprenez bien, etc. Oui, la Commission européenne, des fois, la bande d'eau, oui. Parce qu'on sait très bien que, par exemple, pour ce qui est de privatisation, par exemple, pour les barrages et tout ça, on a le Portugal et l'Allemagne qui ont dit non. Oui, tout à fait. Ils ont envoyé promener en disant que ils continuent à gérer leurs barrages et que l'Union européenne allait voir ailleurs ce qui s'est passé. Et l'Allemagne, qui est plus ou moins à l'œuvre dans toutes ces histoires de privatisation et qui est maître d'œuvre de cette Commission européenne très souvent, parce que bon, on est quand même un peu sous la dépendance des Allemands, qui ont une grosse voix dans la Commission européenne. Eux, quand ça les arrange pour la santé ou là pour les barrages, eux, ça marche pas pour eux. Quoi. Oui, bien sûr. Oui, non, mais ça, faites ce qu'on ne veut pas faire à soi-même, oui. Faut pas le faire aux autres non plus. Mais justement, eux, ils le font quand même. Oui, oui. Alors, ils veulent le couper en plusieurs identités, en trois identités. Donc, l'EDF bleu. Alors, l'EDF bleu, ça serait plus les centrales nucléaires. Alors, les centrales nucléaires, c'est un investissement colossal qui va durer sur 40 ans. À peu près, c'est la vie d'une centrale. Et au moins 40 ans, oui. Peut-être on va les prolonger un peu plus, même. Mais bon, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de personnel, parce que quand même, le nucléaire, il faut que ce soit contrôlé. C'est très contrôlé, heureusement que c'est très contrôlé, parce qu'on en a besoin, parce que ça peut être tourné à la catastrophe. Et puis, l'EDF vert. Alors, l'EDF vert, ça serait tout ce qui est le photovoltaïque. Les éoliennes. Les éoliennes, voilà. D'accord. Et puis, le troisième, ce serait pour les barrages. Alors, c'est les barrages qui intéressent beaucoup de monde, parce que les éoliennes, ça marche quand il souffle, le photovoltaïque, ça marche quand il fait soleil, que les barrages, ça peut marcher à n'importe quel moment, et ça n'a pas besoin du vent, ça n'a pas besoin du soleil. Et puis, les barrages, c'est absolument stratégique, puisque ça permet de faire la régulation de la consommation. C'est-à-dire que on peut allumer un barrage quand on en a besoin, le barrage ne fonctionne pas, on commence à avoir pas assez d'électricité qui est produite, hop, on met en route le barrage. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va pouvoir comme ça réguler la consommation. Et si jamais, par contre, dans l'autre sens, on ne consomme pas assez, on va pouvoir se servir de l'électricité du réseau pour faire remonter l'eau dans les barrages qui sont en altitude. Ça c'est le barrage de Grand-Maison, ça. Par exemple. Voilà, mais il y en a plusieurs. Le reportage qu'il y avait sur la télévision, là, c'était sur le barrage de Grand-Maison. C'est vrai que c'est un barrage d'altitude, donc on remonte dans un lac qui est en haut. Et l'avantage, le barrage énorme, le barrage de Grand-Maison, c'est deux centrales nucléaires. Donc c'est vraiment un gros barrage, c'est vraiment le gros barrage. Et là, ils commencent à se faire des soucis avec le réchauffement climatique, parce qu'est-ce qu'ils auront toujours de l'eau pour remplir le barrage? Parce que l'eau du barrage sert à faire l'électricité, mais elle sert aussi à l'irrigation, elle sert à l'eau potable pour la consommation, elle sert à tout. Donc voilà, puis c'est un poumon de économique, parce que suivant où ils se placent, il y en a qui en vivent de ce barrage. Il y a des campings, il y a des bateaux, des pédalos, ça a tout un service économique derrière. Parce que ce qui était expliqué dans le film auquel tu fais référence, qui était un document qui s'appelle « Barrage, l'eau sous haute tension », en fait, ce qu'ils expliquent, c'est qu'à un moment donné, s'il y a une pénurie, si par exemple on a un petit manque de production d'électricité, on peut se retrouver avec une faillite complète de tout le circuit. C'est-à-dire que s'il y a un manque, on peut arriver à se retrouver au blackout, à être tous dans le noir. Oui. C'est ce qui s'est passé en Californie, d'ailleurs, parce qu'ils avaient vendu au privé. Voilà, et qu'ils ont voulu faire à tout prix de l'argent, et que du coup, ils ont gardé leur eau pour attendre que les prix montent pour vendre des mégawatts plus chers. Donc, rendons-nous bien compte, en Californie, le modèle, s'il y en a un libéral à souhait, en Californie, les gens se sont retrouvés dans le noir, et tout ça pour des histoires d'actionnaires qui jouaient gros jeu. Ça a très mal fini pour eux quand même, parce qu'ils ont été poursuivis en justice, ils ont été inculpés quand même, ils sont finis avec les menottes. Et donc nous, on est en train de vendre aussi pareil les bijoux de famille, tout doucement, les barrages sont dans le loin. Le problème des barrages, c'est comme ils sont en enfilade sur les rivières, montagne ou ailleurs, donc si tous les barrages ne sont pas au même propriétaire, ça veut dire que certains vont
vont turbiner et amener de l'eau dans les autres et qui vont être obligés de turbiner aussi parce que l'eau va monter trop. Enfin bon, ouais. Voilà, et ça va être des conflits pas croyables, sans compter que après le privé ne sera pas obligé de tenir compte des agriculteurs qui ont besoin d'arrosage, voilà, et ou vendre voilà ou turbiner pour leur faire pour l'agriculture et vendre l'eau après avec des compteurs d'eau. Alors, tu fais bien de rappeler que en fait le barrage ça sert à l'électricité, mais ça sert aussi à garder l'eau. Et donc même si les personnels des barrages protestent parce qu'ils voient bien que ils vont se retrouver avec des conditions de travail évidemment qui comme le privé va vouloir faire du pognon même sur eux, hein, puisqu'ils vont être la variable d'ajustement comme d'habitude. Donc voilà, ils protestent. Mais ce qui se passe aussi, c'est l'entretien du barrage lui-même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les alluvions remplissent la nasse, on va dire, la retenue d'eau. La retenue d'eau elle-même est remplie par des alluvions. Et donc, si les barrages sont coordonnés, s'ils sont, pour l'instant, en étant publics, ils peuvent s'organiser pour vider petit à petit les alluvions et pour nettoyer tous les barrages les uns après les autres. Mais s'ils sont en privé, c'est plus le cas. Ah oui. Oui. Et puis, le privé, il y a une mauvaise expérience du privé en Italie, hein. Dans le reportage, ils le font voir, ils en parlent. Le barrage, il y a venu, des industriels qui avaient fait, les privés qui avaient fait un barrage en Italie, et remplissant le barrage, ils se sont aperçus que il y a un pan de la montagne qui s'effondrait, et au lieu de s'arrêter de remplir, ils ont continué, et quand la montagne est partie, ben, ça fait 2000 morts. Voilà, donc, donner ça au privé avec une gestion privée qui est comptable, pose de gros problèmes. Ouais, ouais. Et donc, en même temps, cette gestion des barrages, donc, comme tu le disais, qui a à voir avec la gestion de l'eau, qui a à voir avec la gestion de l'énergie, mais même avec tout le circuit électrique français dans son ensemble, puisqu'on a vu que c'est eux qui peuvent avoir, à un moment donné, faire la régulation de la consommation, hein. Et donc, évidemment, il y a quand même des députés qui protestent. Oui, oui, heureusement. Il y a quand même quelques-uns qui gardent les yeux ouverts et qui sont conscients du danger que cela représente, économique et d'avoir sa propre électricité, son indépendance électrique à la France. Alors, il y en a plusieurs qui protestent. Entre autres, moi, j'ai vu un petit truc, donc tu m'as soufflé d'ailleurs. C'est toi qui m'as dit d'aller voir Catenins en train d'expliquer que, eh ben, en fait, on allait glisser le projet Hercule à l'intérieur d'une loi qui est en préparation, Convention citoyenne sur le climat, qui est en préparation. Et donc, à l'intérieur, ils vont glisser le projet Hercule. Voilà, oui, comme chaque fois, au milieu d'une loi, on met un petit truc au milieu, en espérant que ça passe inaperçu. Ouais. Et le gouvernement a été interpellé par les députés au Parlement, et ben, ils ont pas répondu. Donc, c'est compliqué de... La démocratie est un peu bafouée quand même, parce que ils répondent pas aux questions qui les dérangent, ils envoient un troisième couteau, un quatrième couteau qui tape à côté de la plaque, donc voilà, on n'a pas de réponse bien nette. Alors, Catenins, comme tu es en train de le dire aussi pour, il y avait Ruffin et d'autres, hein, qui ont interpellé le gouvernement, dénoncent l'opacité, quoi, parce que tout ça, donc on va privatiser complètement EDF. Et ça aura forcément un impact très très lourd sur la facture de tout un chacun, hein, de vous, de moi, de voilà. Alors là, la libération là qu'ils ont donnée à des compagnies pour vendre de l'électricité, qui démarchent à tout craint de partout sur les téléphones pour vendre leur électricité, l'EDF est obligé et tenu de leur vendre l'électricité après coup de temps. Donc ils négocient chaque année des mégawatts pour acheter à EDF. Mais EDF est obligé de leur vendre, mais eux, ils sont pas obligés d'acheter. Ouais. S'ils trouvent moins cher sur le marché, ils s'approvisionnent ailleurs, et EDF se garde ses mégawatts. Mais par contre, EDF, s'ils les demandent, ils sont obligés de leur les vendre. Peu importe s'ils arrivent à se fournir ou pas, c'est leur problème d'EDF. Donc, c'est plus de la concurrence. C'est complètement déloyal. Oui, c'est complètement déloyal. Et quand ils arrivent à trouver quand ils ont trop démarché, qu'ils ont trop vendu d'électricité, qu'il faut qu'ils l'achètent dans notre pays, s'ils la payent trop cher, du coup, ben, ils gagnent plus d'argent. Donc, l'État demande à EDF de monter ses prix. C'est pour ça qu'EDF monte ses prix, que l'électricité a augmenté. C'est parce que ça a été livré à la concurrence. Au lieu de faire baisser les prix, la concurrence a fait monter les prix. Le directeur financier d'EDF, Thomas Piquemal, a démissionné parce qu'il ne pouvait pas continuer à cautionner quelque chose
qui avait à voir avec, alors là, un autre sujet sur lequel on va pas s'embarquer parce que sinon on en a pour des lustres, c'est Areva, quoi. Areva, ah oui. C'est une faillite complète, hein. Et voilà. Et donc le directeur financier quand même a donc il y a quand même des gens honnêtes même à des postes comme ça. Oui. Bah heureusement que dans le lot il y en a qui sont honnêtes mais ils se taisent parce que ben il faut bien que c'est leur carrière, hein. Et puis il y a ceux qui peuvent se permettre de se rebiffer et de dire les choses comme ils les pensent, que voilà, parce que bon, peut-être qu'ils ont d'autres rebonds ou d'autres possibilités ailleurs. Cette vente d'EDF, elle est prévue pour 2025, hein. C'est les concessions qui finissent des barrages. Il y a certaines concessions, oui, de barrages qui finissent en 2025. Donc voilà, et oui, ça se prépare un peu à l'avance. Donc, en fait, il y a quand même 400 barrages, un truc comme ça, en France. Ça serait 120, 150, un truc comme ça, qui seraient concernés. C'est pas, mais c'est les plus importants. Exactement. S'ils achètent des barrages, ils achèteront pas celui de Pont-de-Verrières, hein, ni celui de Montpezat. Ils achèteront que les barrages qui sont vraiment rentables et qui sont un gros rendement. C'est pas, ils vont pas acheter les petits barrages, qui d'ailleurs, qui sont en déficit souvent. C'est la solidarité d'EDF qui fait que tous les barrages se mutualisent. Voilà, on mutualise les pertes de certains petits barrages qui ont une nécessité pour l'approvisionnement en eau ou pour faire du canoë à Vallon, peu importe. Ouais. Voilà, qui ont une nécessité agricole. On pourrait en discuter d'ailleurs. Hein, oui, oui. Ouais. Mais il y a des barrages qui sont dans le rouge parce qu'ils ont des frais ou de la vétusté qui leur permet pas d'être en excédent. Alors, il y a un dernier petit mot à dire sur Marcel Paul qui a été attaqué sur son honnêteté, hein, puisqu'il a été accusé d'avoir fonctionné avec les Allemands au moment où il était dans un camp. Et donc, il était là en train de jouer le tampon. Camp de concentration. C'est pas n'importe quoi. Et il essayait de jouer le tampon pour arriver à sauver des gens. Comme tu disais, en fait, la référence, c'est la liste de Schindler. Hein. Il a essayé de faire ça. Et il a été accusé d'avoir fait des trucs pas clair. Qui c'est qu'il a accusé? C'est des gros financiers. Et il n'y a qu'au moment de sa mort qu'il y a plein de gens qui sont venus lui rendre un dernier hommage, des gens, ouais, qui étaient dans le camp. Donc, ouais, il a été accusé, vraiment, c'est malheureux, mais du moment où les gens s'impliquent dans quelque chose, ils sont facilement critiqués. Alors quand on parle des camps nazis, c'est encore plus compliqué, parce que là, c'est qui doit vivre, qui doit mourir, est-ce que, voilà, alors c'est toujours compliqué de pouvoir sauver tout le monde, c'est impossible. Donc après, c'est, puis il était pas maître de grand chose. Il était voilà. Il a été accusé évidemment de d'aider les communistes, et pourtant, qui c'est qui lui rend hommage? C'est Marcel Dassault. Voilà. Parmi les gens qu'il a écarté et qu'il a pu sauver, c'est, ouais, Marcel Dassault en fait partie. Bon, voilà. Merci beaucoup, Denis. Au revoir. Au revoir à tous, et on va essayer de dire bonne fête.